Hello. Grimdim, la communauté, j'espère que vous allez bien. Six aliments que les experts ne mangent pas et ne mangeront jamais. Les maladies d'origine alimentaire qui provoquent une intoxication alimentaire et des effets secondaires bien plus graves sont relativement courantes, selon l'expert en sécurité alimentaire Bill Mahler. Mahler est un avocat spécialiste dans les affaires de maladies d'origine alimentaire pendant plus de 20 ans. Il possède une vaste expérience et une connaissance directe des problèmes liés à la sécurité alimentaire. Il a traité des cas tels que l'épidémie d'E. coli en 93, qui avait malheureusement tué plusieurs enfants à cause des aliments contaminés. Cette affaire a incité la FDA à adopter une position plus ferme à propos des agents pathogènes dans les aliments de consommation. Cependant, ce cas n'est pas l'un des rares à avoir été réellement rapporté au public. Mahler explique qu'il n'y a pas de système de sécurité alimentaire en place pour protéger le public de manière adéquate. Il dit: Vous ne croirez pas à certaines des choses que j'ai apprises au fil des ans. J'ai des histoires folles. En raison de sa vaste expérience, il prend personnellement des précautions concernant les aliments les plus contaminés. Et bien sûr, les aliments les plus susceptibles d'avoir le E. coli ou la salmonelle, il suggère que les risques pour la santé associés à la consommation de ces six aliments sont tout simplement trop importants. Voici ce qu'il dit et qu'il ne mangera plus jamais. Des choses assez classiques, mais prudence. 1. Crustacés crus. 2. Choux crus. 3. Viande. 4. Œufs crus ou mi-cuits. 5. Huîtres crues. 6. Lait et jus. En tant qu'avocat qui a constaté de visu le pur du gouvernement laxiste en matière de sécurité alimentaire, Mahler est convaincu que des agents pathogènes comme le E. coli et la salmonelle existent souvent dans l'approvisionnement alimentaire. Il est sage de faire preuve de prudence lors de l'achat, la cuisson ou la consommation de ces aliments afin de protéger votre santé, votre vie. Un dernier mot de fin et je m'arrête là. Faites attention avec les sushis, ils sont concernés. Hein. Maintenant, on trouve carrément des asticots vivants qui dansent sur les sushis. Donc, prudence. Je vous dis, Mioine, à bientôt et goodbye. Cher ami, surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette. C'est ce qui va vous permettre de recevoir les notifications. Pour plus de vikingerie, piraterie, enfin, vous savez, beaucoup beaucoup de bonnes choses. Je vous dis merci pour votre, comment dirais-je, présence et à bientôt. Bye!